140. Un char ennemi. Affirmatif, un char de l'OTAN. Oui, colonel, je confirme. Détruisez-le. Stoppez le char! Femme ? Ça va. Ouais, je l'écris. Quand je peux. C'est bien. Regarde. Vite, les armes. Ouais. Belle gueule. Joli corps. Vos renseignements étaient exacts. Tu devrais me remercier, grand-père. Je vais aider ton petit oiseau à quitter le nid. Alors, tu veux qu'on te débarrasse de tes liens fraternels tout de suite ou tu acceptes de venir gentiment avec nous?
jure que je vous ferai payer pour ça. Courageux, le berger. Mais joue pas les héros. On veut juste donner à ta sœur la chance de quitter ses moutons. Tu viens de gagner un aller pour une très jolie villa. Et débarrassez-moi de ça. Et Anna. Pourquoi on prend son frère? Je croyais qu'on avait dit pas de témoin. On appelle ça de l'improvisation. Et puis je veux être sûre que la petite paysanne coopère gentiment. J'aime pas ça. Tu veux qu'elle reste dans un coin en attendant de se faire buter comme la petite chialeuse de Grozny? Ou tu veux qu'elle résiste un peu? De toute façon, si elle joue pas le jeu... Elle a pas intérêt à me les briser, la poule. J'aime bien quand tu fais le jaloux. Je veux recevoir les images en direct sur mon PC. Je pourrai vous prodiguer mes conseils en temps et en heure si le besoin se fait sentir. Bien sûr. Vous avez entendu? Allez. Parfait. La fenêtre vient d'apparaître. J'espère que cette nouvelle jeune femme sera plus combative que la précédente. Vous inquiétez pas, monsieur. On s'est assuré de sa parfaite collaboration. Son frère va nous y aider et refusera pas de sauter l'obstacle, je vous le garantis. Eh bien, tant mieux. Je connais plusieurs personnes qui rêveraient de prendre votre place. Nous ne vous décevrons pas, monsieur. Nous avons tout mis en œuvre pour que l'opération soit un vrai succès. Je l'espère. Pour vous. Voyez-vous, nous avons une soirée avec quelques amis demain soir. Et nous serions très déçus de ne pas pouvoir regarder ce film en avant-première. Nos techniciens vont travailler d'arrache-pied pour vous fournir une version avant 17h. Ne peaufinez pas trop les images. Tout l'intérêt de ces films tient justement dans leur côté amateur. Ok. Va falloir assurer. Envoie le teaser sur le réseau et va chercher la fille.
mal? Ils l'ont tué. Ça commence quand, là? Ne t'énerve pas, mon chéri. On vient de loin, j'ai payé une blinde et j'ai pas que ça à foutre. On est impatiente, hein? Y a un problème? Non, pas du tout. Faut pas s'énerver comme ça. Pas bon pour le cœur. C'est à moi que tu parles? Ouais. Tu devrais pas parler comme ça, mon frère. Peut-être que vous feriez mieux de vous calmer tous les deux. Peut-être que tu ferais mieux de te mêler de tes affaires. C'est juste pour ton propre bien. J'y rêve, t'essayes de me donner un conseil. Je vois que vous avez fait connaissance. Et que vous avez mis vos tenues, c'est parfait. Qui est la proie? Vous allez bientôt la rencontrer. Chérie, j'ai fait les magasins pour toi. Vous pouvez choisir vos armes. Bonne chasse. Tu refuses de participer? On tue ton frère. Tu essaies de t'échapper? On tue ton frère. T'as tout compris? Maintenant, dégage. Thank you.
pas idiote, regarde, ça va être amusant. Allez, fais ton choix. Je le sens pas. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, maintenant, tu arrêtes ça, ok? Pour cette traque, j'ai déjà payé 100 000 dollars. Il n'y aura pas de remboursement. Alors ne fous pas tout en l'air cette fois. C'est une petite partie de chasse, c'est tout. Tiens, prends ça. Que ça m'excite, les beaux mecs à l'air triste. Je sens qu'on va bien s'entendre, finalement. T'inquiète pas, hein. Je vais pas te manger. Enfin, pas tout de suite. Maintenant que la chasse commence. Anna, explique-leur le modus operandi. Mesdames et messieurs, la proie est dans la forêt. Que la chasse commence. J'ai vu des caméras, ça va être filmé? Oui, elles sont directement reliées à une régie. Le film, une fois monté, sera diffusé sur le Dark Web. Allô? Quoi? Le Dark Web? Le Dark Web. La partie immergée de l'iceberg. 500 fois plus grande que la partie visible d'Internet. 500 fois plus intéressante aussi. On y trouve de quoi acheter des armes, de faux papiers et toutes sortes de drogues. Mais aussi, de très intéressants sites porno, pédophiles ou déviants. C'est là qu'on intervient. Mes snuff movies sont visionnés par des millions de personnes qui paient très cher pour les voir. Alors tâchez d'être à la hauteur. On a le droit de la buter comme on veut. Excellente question. C'est non, bien sûr. Une fois que vous l'aurez attrapée, vous ne devrez pas la tuer tout de suite. Vous l'emmènerez d'abord à la clairière du sacrifice. J'adore. C'est une clairière située au nord de la forêt prévue pour la mise à mort. On l'a équipée d'un maximum de caméras. Faut faire du cinéma, quoi. Exactement. En plus des caméras dont vous serez équipés, on en a dissimulé un grand nombre un peu partout dans la forêt. Comme ça, nous ne manquerons aucune scène. Que la chasse commence. On te suivra, ma chérie. Si seulement tu savais le temps qu'on a passé à installer toutes ces caméras. Thank you.
Faut pas être aussi émotive. Hey ! Ne perdez pas. Aucune chance, patron. Elle est où cette putain de coke? Tu peux pas t'arrêter 5 minutes là? Lâche-moi un peu. C'est très bien que ça me permet de rester au top. J'ai pas l'impression que ça t'aide beaucoup. Putain, elle est où cette putain de coke? Je crois que t'as pas trop de conseils à me donner, ok? Je veux juste qu'on retrouve cette fille et qu'on se barre d'ici au plus vite. Si t'as un autre moyen pour trouver du fric, faut pas te gêner. Ça sonne comme un reproche, ça. Je te reproche rien. Mais si ton deal avait fonctionné? Mais c'est pas de ma faute! C'est pas de ma faute si ça a merdé! T'étais pas là! C'est moi qui ai dû tout régler! Calme-toi! C'est pas toi qui l'a goûté, ce mec! On en a rien à foutre de savoir qui a merdé en premier. Ce qui est fait, est fait. Maintenant qu'on a payé, on gagne, on récupère le fric et on se casse. Ok, ouais, ouais. Ok, ouais, t'as raison. Eh, ça va le faire, on est les meilleurs. Ouais, ça va le faire. Et quand on retrouvera cette petite pute, je te laisserai la buter en premier, frère. Ok. Je peux toujours m'en servir comme miroir. T'es sérieux? Waouh, bravo, c'est vraiment très mature. Bébé, pourquoi il faut toujours que ça se passe dans des endroits qui craignent comme ça? Il fait froid, ça pue. Et regarde, mes chaussures, elles sont toutes salopées. La prochaine fois, on fait ça aux Maldives, d'accord? Ok, à Bora Bora. Ou bien aux Fidji? Les Fidji? S'il te plaît. Il faut qu'on parle ici. On ne peut pas faire ça. T'étais d'accord pour venir. Maintenant, on y en fait. Mais ce n'est qu'une pauvre fille. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça, quand même. Quand tu m'as demandé de buter ton père, ça t'a gêné, peut-être? C'était pas pareil. C'était une ordure. Mais bien sûr.
Ils sont encore plus bizarres que d'habitude, tous ces gens-là. Je les sens pas. Bon sang, à chaque fois que je m'amuse, tu recommences à m'emmerder. Maintenant, tu la fermes et tu fais ce que je dis, ok? L'affaire va être réglée plus vite qu'on le pensait. Déçue. Je pensais que tu serais libérée. T'es peut-être pas si fort que ça, finalement. Tu devrais voir ta tête. C'est trop drôle. Regarde. Tiens. Voilà un bon film, hein. Puis quelque chose me dit que tu connais bien l'héroïne. Notre petite paysanne est dans une parfaite forme physique. C'est une chance pour elle et pour nous. Ça va faire durer le suspense. Enfoiré ! Ok, ok. Ok, je te laisse. T'es peut-être un peu trop caractériel pour moi, finalement, hein ? Bande d'ordure ! Ça trace trop vite. J'espère que cette petite conne va pas se faire attraper tout de suite.
on va vite la retrouver. J'aime pas laisser mon chat trop longtemps tout seul à la maison. Mais qu'avons-nous là? J'ai besoin d'aide. Je vous en supplie. Ce qui est génial avec vous, les pauvres, c'est que vous doutez de rien. Pas vrai? Vous avez une vision du bien et du mal tellement archaïque. En tout cas, je vous remercie. Je vais pouvoir me casser vite fait de cette région de bouseux. Vous êtes complètement folle. Finalement, j'aime la faire à la machette. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle va tout faire foirer, cette conne! Chérie? Tu me passes la machette? Oh! Putain, c'est quoi ce bordel? Du sacrifice. Timur! Calme-toi, j'ai une idée. Attends. Cher concurrent, je vous annonce que Timur a trouvé la proie. Mais rassurez-vous, nous avons décidé de prolonger votre plaisir en vous donnant une seconde chance. Vous pouvez toujours la récupérer avant qu'elle n'atteigne la clairière du sacrifice. Et je vous donne un indice. Il se trouve actuellement au nord-est du domaine. Latitude 42, 115, 31, 49. Longitude 45, 856, 07, 59. On va la retrouver. Bonne chasse. Voilà. Magnifique. Allez, plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère. Je peux pas le laisser là-bas. Ils vont le tuer. Le chercher. Mais ils doivent pas se douter de quelque chose. Ok. Tu dois être un peu déçu, non? Ta sœur s'est déjà fait attraper. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je sais que tu vas me tuer. Arrête ton numéro, ok? Tout de suite les grands mots. Ce que je veux, c'est qu'on parle du futur. Qu'est-ce que tu racontes?
Réfléchis deux minutes. C'était quoi ta vie jusqu'à maintenant? Tripoter des moutons? Et ça te rapportait combien par an? 40 000 roubles? Moins? Je comprends pas. Avec notre business, on se fait 3 millions par an. Et plus ça va, plus la demande augmente. On va avoir besoin de recruter. T'as servi dans l'armée, non? J'ai besoin d'hommes comme toi. Puis la campagne ici, tu dois connaître, non? Ça fait un certain nombre d'avantages. Sans parler du reste. Toi. Et ton connard de copain. Je vais vous massacrer. Tu m'as l'air un peu tendue, non? Il faut que tu te relaxes. Il est pas si grand que ça, le donné. T'es au genou que le connard, t'as peur de te perdre? Ferme-la, écoute. Timur, elle a déjà récupéré la fille. Elle va toucher le fric. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on se dit des mots d'amour? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il vous dit que peut-être qu'on devrait y aller ensemble. Et partager le pognon? Et puis quoi encore? Et Timur a l'expérience, ça se voit. Et tu crois vraiment que tu as récupéré la fille tout seul? Parce que t'es tout seul, en vrai. Écoute, il a raison. Ouais. Alors on fait une équipe. Une vraie. Oh, oh, lâche-le. Oh, lâche-le, je plante. Oh, oh, lâche-le. Oh, 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 oh. Sans déconner, tu crois vraiment que ça va m'arrêter? Désolé chérie, mais tu pèses pas lourd dans la balance. Ok. Calme-toi, regarde. Je le pose. C'est beau la manche fraternelle. Prends la carte dans mon sac. Allez, je déconne, tu croyais quoi? Bien sûr, je t'aurais pas laissé crever. Prends la carte dans mon sac et attache-le. Vite! Désolé, mais je partage pas. Je te retrouverai, crois-moi. T'as mieux fait de me buter. Ne me tente pas. Amuse-toi maintenant. Ça t'excite, hein, salope. Allez, on se brouille. Vous aurez bientôt de la compagnie. Il paraît qu'il y a des loups par ici. Mal joué ça, hein? Anna, sans rire, qu'est-ce que tu trafiques avec ce mec? Enfin, rien, qu'est-ce que tu vas chercher? Je sais très bien ce que ça veut dire quand t'es comme ça. Ne sois pas jaloux, ok? On a un boulot à finir qui va nous rapporter une petite fortune. Alors on reste concentré sur ça. C'est vrai ce qu'il a dit? Il y a des loups par ici? J'en sais rien, mais on va pas rester ici toute la nuit à attendre.
plus. Je meurs de soif. Ça. Ça va être un sacré film, hein? Qu'est-ce que t'as? Me dis pas que t'es encore bloqué sur cette histoire. Oh, ta main, elles sont paysans. Pour qu'on le garde en vie. Vu que sa sœur s'est fait choper, il nous sert plus à rien. On sait pas comment ça peut tourner, alors pour l'instant, on le garde. Tu veux pas le faire? C'est bon. Je m'en occupe. Je vais le faire. D'accord? Et toi, tu t'occupes de la régie, parce que t'es le seul ici à pouvoir le faire, d'accord? Moi, je gère le reste. Bogdan. Ok. Alors fais-le. J'adore quand tu me donnes des ordres. Tu sais que tu devrais le faire plus souvent. Vous pouvez pas la buter. Allez, faut qu'on les rattrape. Connard. Surtout pas. Elle est à moi. Ah.
fatigué, Superman? Je vais m'occuper de ta putain de Lois Lane. Et je reviens. On va bien s'amuser tous les deux. Désolé les gars, j'ai pas la patience de l'emmener jusqu'à la clairière. Je vais devoir découper le gigot tout de suite. Négatif, il y a des règles, on les respecte. Question de les enfreindre. Car sans règles, c'est l'anarchie. Arrêtez-moi ça immédiatement. Igor! Igor, aide-moi, s'il te plaît! Igor! T'as peut-être une chance par la rivière. Dégage! Je vais tous vous tuer. C'est le meilleur film que j'ai jamais fait. Une super production. Joli tir, hein. Mais c'est pas la bonne cible. Pas grave. Elles sont parties par là. Je vois des traces de sang. Ça va se vendre comme des petits pains. Ça mérite une coupe de champagne, non? Gardez les idées claires. Tout n'est pas encore terminé. Oui. Et surtout, ne vous laissez plus surprendre. Nous avons une autre dose d'improvisation.
Pépé, est-ce que tu vas comme ça? Hey Anna! Anna! Est-ce que je dois vraiment tout faire moi-même? Là-bas. C'est la fameuse carrière. T'as plus qu'à les trouver. Les buts, on prend pas nous. J'aime pas cet endroit, un vrai piège à con. C'est normal. C'est la clairière des sacrifices. Ouais. Si on bute la fille ici, on est complètement à découvert, c'est pas bon. T'as juste peur en fait, hein? C'est ça? Reviens, je suis passant! Sont vos instructions. Faites-lui faire demi-tour. Absolument personne ne doit sortir, c'est compris? Et si elle insiste? Abattez-la. Elle ou n'importe qui d'autre, on ne peut prendre aucun risque. Personne ne doit passer, sans exception. Tire. Tu veux.
Reviens, frérot. Viens. Reviens. Viens là, frérot. Ça me rend clostreux, cette forêt. Viens. Préférence pour cette scène. Oui, une seconde, je me renseigne. Ok, la mine. Fais-le exploser à la clé mort. Et ton mec, il va en penser quoi ? Je ne demande pas toujours de penser. Mais il va rien savoir. Ça va ? Ça va. Fils de pute ! Tu vas pouvoir prendre ta revanche. On le finit à la clé mort. Prends-la dans son sac et occupe-t'en.
passe quoi, là? Je sais pas. Faut aller voir, cette mine doit exploser, nom de Dieu! Qu'est-ce que t'as foutu? T'es sûr d'avoir bien armé? Prends-moi pour un abruti! Putain de sportif de mes deux! On en est où? On n'en est que ces comptes sportifs savent même pas se servir d'une putain de mine Clément! Merde! Une mine? Ils ont choisi de le finir avec une mine? Ouais. Comme t'avais disparu, il a bien fallu que j'improvise, moi aussi. Eh bon, j'y vais. Fais gaffe, hein. Eh, t'inquiète. Hé hey, frérot, ta mine, elle marche pas. Gardez ton scalp pour souvenir. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je crois que la proie vient de transpercer l'épaule de notre sportif avec une flèche. Quoi? Vous me prenez pour un imbécile? Je ne suis pas aveugle! Il reste qui, maintenant? Timur. Enfin, on peut pas dire qu'il soit dans une forme olympique. Montrez-moi les images que vous avez prises. Timur! Timur! Qu'il assure, là. Faut pas que ça merde. Putain. Ce film devait assurer notre avenir. Mais pour ça, il faut que cette connasse se décide à mourir. C'est une dure à cuire comme son frère. Tu l'as buté? Ça, c'est moi qui décide où et quand. T'as compris? Imagine que cette petite conne bute le dernier chasseur et qu'elle se pointe ici avec son arc et sa machette. C'est quoi ton plan, hein? Tu lui sautes au cou? Ne me décevez pas. Sans problème, monsieur.
Ça, c'est du final. C'est du délire. Allez, Timur, à toi de jouer. Finis ça en beauté. C'est fini maintenant. Vas-y, Timur, qu'est-ce que t'attends ? Pourquoi on fait ça ? Je viens de vous sauver la vie. Vous faites semblant pour sauver mon frère. Moi le premier. Après, je vais tous les massacrer. Tranquillement. Dans les règles de l'art. Et toi, je te garde pour le dessert. Bogdan, tu peux me dire ce qui se passe là ? Mais j'en sais rien ! Vous m'aviez aidé. Vous vouliez m'aider. Mais qui est cet homme ? Comment l'avez-vous recruté ? Comme les autres, par le site. T'as vérifié qui c'était au moins ? Tu me prends pour qui ? Faites une nouvelle recherche ! Montrez-moi sa photo ! Si c'est une vengeance, j'ai rien à voir là-dedans. Laissez-nous partir. Une vengeance ? Pourquoi faudrait une raison pour tuer ? C'est un principe naturel. On le retrouve dans la nature tout entière. Tuer ou être tué. Les autres imbéciles le faisaient peut-être pour le fric. Mais pour moi, là, j'en ai pas la principale motivation. Vous êtes complètement fou. Non, je crois pas, non. J'aime le travail bien fait. Mon père s'est enculé, il disait toujours, quand tu commences quelque chose, tu le termines. Voilà le vrai Timur. C'est quoi ce bordel ? Fais une recherche avec la photo de l'autre. Omar Borak. Échappé du centre pénitentiaire de Mourmsk il y a 8 semaines. Dangereux, pervers, recherché pour le meurtre de plus de 10 personnes. Cette espèce de psychopathe a dû tuer le vrai Timur pour prendre sa place. Réglez-lui son compte. Il est temps d'en finir avec ce jeu.
comme les autres. C'est pour ça que tu as tué ta femme. Marina, tu sais que Marina, c'est une sacrée givrée dans son genre. C'est connu au parloir. Les serial killers, ça l'excitait. Mais que le moulin à parole, j'arrivais jamais à en placer une. C'est elle qui a organisé mon évasion. Et c'est elle qui m'a proposé de prendre la place de ce millionnaire en quête de sensations fortes. Il a été servi. Quel plaisir j'ai eu à lui bouffer le cerveau. Et toi, ça t'excite les serial killers? Serial killer. Tu vois, j'avais un peu peur que ce film tire en longueur. Mais on y arrive. Alors chérie, comment tu veux que je la finisse? Là, tu me reçois? Avec quelle arme? J'exige qu'on m'écoute, ça suffit! Barrez-vous vite avant que je change d'avis! Et toi, coupe le son de cet enfoiré! Barre-toi de là! Si tu veux revoir ta copine vivante, ramène-moi ma sœur en bon état, et tout de suite! Lève-toi! Tu m'entends, lève-toi. L'échange. Doucement et sûrement. Tire, Bogdan! Tire! Non!
Laissez-moi, Bogdan! Il avance toujours. Qu'est-ce qu'on fait, colonel? Tue-le.